Eh bien bonjour à tous les amis, je suis PopUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Jurassic World. Nous sommes actuellement sur Isla Pena. On a fait la dernière fois la mission de divertissement et aujourd'hui on est en train de faire des missions pour essayer d'atteindre la mission de sécurité, celle qui nous manque. Alors j'ai encore un petit peu de temps à attendre avant de pouvoir prendre une nouvelle mission, du coup je vais relancer des expéditions. Ah, j'ai déjà des expéditions en cours, ok. Alors du coup on va rien faire de spécial. Pas de fossiles. Du coup, la mission de sécurité s'est terminée. Est-ce que ça m'a débloqué des recherches peut-être? Non plus. Bien. Donc là, voilà. Mission de sécurité, prochain objectif avant de passer sur la dernière île de la campagne, Isla Sorna. Il restera encore une île après. Hop là, les îles. C'était pas là, c'était là. Oui, donc on a débloqué ici Isla Sorna. Donc ça, c'est celle avec des missions. Et enfin, plus tard, on pourra faire Isla Nublar. Quand, éventuellement, en deuxième saison, peut-être, on fera un parc complet ici. Mais voilà, on va débloquer du coup les îles. Il faut encore que je termine la mission à cet endroit-là. Alors, on a des fossiles qui sont rentrés. On va pouvoir aller prélever de l'ADN. Ça, ça se revend. Tac. Et on va relancer deux expéditions. Là et là. Je viens de passer ce nouveau contrat en revue, et à mon avis, c'est tout à fait votre truc. Je suis sûr que vous serez d'accord. Allez, un Edmontosaurus, alors je sais même pas si j'en ai un dans mon parc actuellement, un Edmontosaurus. C'est lequel? Est-ce que déjà je l'ai? Alors, le T-Rex, il est complet maintenant son génome, nickel. Bon, alors le problème c'est que j'ai pas encore l'Edmontosaurus. Donc je peux pas faire cette mission là pour le moment. Pas top, ça démarre pas bien les missions de sécurité. Ces dinosaures, c'est pas assez a priori pour eux. La diversité est correcte. Et le bien-être est correct également. Alors, hop là, une panne. On va envoyer tout de suite une équipe pour redémarrer ça. Tâche ajoutée. Ah, donc notre T-Rex ici. On va développer la dernière fois. Au niveau installation, est-ce que je peux voir ce que j'ai déjà? Oula. Ok, le centre des expéditions a été coupé. C'est pour ça que j'avais du rouge un peu partout. Fast food, les souvenirs. Le bar, est-ce que j'ai un restaurant quelque part? Sinon on va en mettre un restaurant, une salle d'arcade. Ok, alors je vais peut-être avoir d'autres... J'ai pas de boutique de souvenirs par exemple. Et je peux pas la mettre là. Mettre un petit poste derrière. Voilà, on a une nouvelle boutique. Alors, on a des fossiles qui sont rentrés. Alors, avant de faire ça, on va essayer de voir si on n'a pas une nouvelle mission disponible qui pourrait nous permettre d'avancer sur ça. Je vais être bref. J'ai une nouvelle mission. Jetez-y un coup d'œil.
On va accepter ça. Le grand angle, on va le rasiller. Si vous surveillez les transactions aussi soigneusement qu'on surveille nos dinos, tout ira bien. Mais alors, si vous vous plantez, préparez-vous à affronter un prédateur alpha. Nodotosaurus, on va en incuber et en revendre directement. Allez, ça c'est parti pour cette mission-là. Ok, on est passé à 3.6 grâce à la boutique de souvenirs. Ah zut, c'était la deuxième. J'avais pas vu qu'elle était là. Tant pis. On va continuer de mettre des choses pour eux. C'était une boutique de jouets qu'on n'avait pas. Ah, j'ai 18 millions. J'avais pas vu que j'avais 18 millions. Hop, là ici je vais me mettre un autre type de dinosaure. On va voir un peu ce qu'on peut avoir en carnivore, parce que les carnivores c'est ce qui attire quand même un petit peu le monde. Hop, ce que j'aimerais c'est de la vision peut-être au loin. Et une porte. Non, pas ça. Celui-là. Alors, on va regarder un peu ce qu'on va pouvoir se faire comme dino. Hein, qu'on n'a pas encore vu, peut-être, en carnivore. Enfin, j'ai pas tant de carnivores que ça, en fait. On va se mettre un Ceratosaurus. Et on se mettra peut-être des... j'ai oublié le nom de ceux qu'on va se mettre. De percer. Allez, on va aller là. Allez, on a 82% sur le Nodosaurus. Le Triceratops, le génome est complet. Ah, par contre, ils ont pas d'eau en fait dans leur enclos. Peut-être faire genre en mettre un peu quand même. Un bowling, on n'a pas de bowling non plus, il me semble. Allez, on a le Nodosaurus ici qui est prêt. Vous
avez créé Nodosaurus, dont le nom signifie « lézard à nœuds ». Une créature sacrément résistante, croyez-moi. Ouais, bah on va l'endormir et la revendre pour faire la mission. On va essayer d'aller accepter une autre mission de sécurité. Qui est simple pour exhumer un fossile de carnivore. Ça devrait aller. Aussi. Ça devrait aller. Chaque découverte nous permet de mieux les comprendre. Cette expédition a du bon, croyez-moi. Ok, et voilà pour cette mission-là, c'est fait. Ça ne me plaisait qu'à moitié, mais la direction a l'air satisfaite. Il y a de quoi être fier. Ok, bon, c'est bon, on a ce qu'il nous faut du coup pour faire la mission de sécurité. Le docteur Wu a une autre tâche à nous confier. Il parviendra à ses fins d'une manière ou d'une autre. Alors autant que vous participiez. Alors, il va falloir incuber et transférer vers l'enclos un Metriacosaurus avec densité osseuse accrue. Ravi que vous soyez des nôtres. On nous a demandé d'incuber des œufs, de les faire éclore et de transférer les bestioles modifiées dans un enclos. Mais dans un enclos ensemble, vous voulez dire, ou... Bon. Du coup, ici, on va annuler ça. Parce qu'il faut un Ceratosaurus, mais avec une modification. C'est quoi la modification sur le Ceratosaurus? On va faire dans l'ordre. Metriacanthosaurus avec densité osseuse accrue. Densité osseuse accrue, on applique ça. Ok. On incube celui-là, c'est parti pour celui-là. Ensuite, un Ceratosaurus avec la modification insta-agressif. Allez, ces deux-là sont partis. Cible en cours d'évacuation. Voilà pour cette mission de sécurité, même si on n'en avait pas forcément besoin du coup. On n'a plus qu'à attendre que les dinos apparaissent et on les transfère comme ça dans les enclos. Il veut pas disparaître lui, tant pis. Transit en cours. Comment ça on a un dinosaure de mort? Ah, j'ai un raptor qui est mort. Ça veut dire qu'il va falloir que j'en fasse un autre. Bientôt récupéré. Zut.
s'en faire rapidement un raptor après. J'ai vendu mon Autosaurus et ça me l'a pas enlevé. Ah si, ça y est, ok. Personnellement, je préférerais que la division sécurité ne soit pas impliquée dans la vente de dinosaures. Trop de risques de pertes. De pertes humaines, j'entends. Mais bon, il faut bien avouer que vous avez fait de l'excellent travail. Alors on me dit qu'on a perdu un autre dinosaure. Bon, a priori, ça a l'air d'être bon. De relancer des expéditions. Ah, j'en ai un nouveau ici. Alors, où est-ce qu'on en est ici au niveau des dinos? Le Ceratosaurus est bientôt terminé. On va pouvoir travailler ensuite sur le T-Rex avec dureté des dents. Ok, ça va être un problème si je fais pas un raptor rapidement. C'est-à-dire que lui, il doit plus être assez content parce que voilà, il n'y a pas assez d'interaction. Donc on va d'abord faire rapidement un raptor pour essayer de les calmer. En tout cas, pour essayer de le calmer lui. Allez, Velociraptorus. Raptor. J'ajoute ça à la liste. Mais on va endormir le raptor qu'on va déplacer pour qu'il se calme. Parce que là, je sens que toi, tu vas pas tarder à t'énerver. Allez, ils sont repartis. Demande enregistrée. On va aller soigner le dinosaure qui est ici. Là, on va pouvoir transporter le Ceratosaurus dans son enclos ici. On va chercher la cible. Être évacué. Et ensuite le Metriacanthosaurus également. Confirmé.
Et donc il faut qu'on fasse un T-Rex avec dureté des dents. Opération de transport terminée. Toi, il me semble que tu peux aller là sans trop de problèmes. Demande de récupération bien reçue. Alors le T-Rex, du coup, on va revendre notre T-Rex actuel. On a un projet qui pourrait vous intéresser. Aucun problème. Ok, toi t'as plus en confort. Livraison terminée. La cible est en cours de transport. Tâche ajoutée. Bon, il a pété le mur ici, mais du coup, il se retrouve à deux raptors. Tâche bien reçue. Bon, ça va être réparé du coup par les équipes. Maintenant je peux aller endormir mon T-Rex. Tâche supplémentaire ajoutée. À destination. Peut-être réussirez-vous là où d'autres ont échoué. Mais sachez que les dinosaures apprennent en même temps que vous. Leur survie en dépend. Alors, pensez comme eux. Ah, tempête tropicale en approche, plus maladie. Confirmé. Alors, on va commencer par gérer la tempête. La cible est arrivée à vos ports. Demande de récupération reçue 5 sur 5. Aucun dinosaure malade identifié. Un conseil, pensez à bien nourrir vos animaux, particulièrement dans ce genre de situation. Alors je vois pourquoi ils mangent pas en fait là. Dire normalement il a de la nourriture. Alors à part s'il te faut des trucs un peu. Alors tempête d'abord, on va commencer par ça.
commencé à vieillir ce raptor, enfin ces raptors là. Donc j'en ai fait un deuxième rapidement, en espérant que l'autre n'ait pas trop le temps de s'énerver. Bon, ça va, ça n'a pas l'air d'être une trop grosse tempête. On n'a pas eu de problème. Chers visiteurs, nous vous prions de nous excuser pour la fin de la vie. Allez, on est à 80% sur le nouveau T-Rex. On a une autre santé fragile encore. J'ajoute ça à la liste. Transit imminent. Ah, j'entends taper. On va attendre avant de lâcher le raptor. Hein. Bon, ça va pour l'instant, il casse ici. C'est pas trop problématique. Hein. Ok, on a le T-Rex qui est prêt. J'attends juste qu'il s'endorme. Voilà donc mon T-Rex. Demande enregistrée. Ces spécimens sont destinés à l'exportation et seront utilisés dans le cadre de missions. Alors il faut qu'ils soient d'excellente qualité. À l'exportation ? Faut prêter chaque dinosaure. C'est la folie ! Comme si ce n'était déjà pas assez difficile de les contenir dans les îles. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ? Alors, faut que je prête le dinosaure. On part récupérer la cible. Du coup, j'ai plus de T-Rex, moi, par contre. Ça va pas ? Bien reçu. Tâche ajoutée. Ouais, c'est ça, c'est le bon que j'ai endormi. En cours de transport. En route pour récupérer l'objectif. Ce sera plus simple en fait. Okay.
Cible en cours de récupération. Cible en transit. Cible en cours d'évacuation. Allez, on va prêter tous les dinosaures. Et on va pouvoir voir si c'est tout ce qui reste à faire ou si on a d'autres missions à effectuer. Ok, on est à 2 sur 3. La cible a été récupérée. Et il est en train de partir le dernier. C'est Lambert. On va recevoir plusieurs livraisons de dinosaures qui seront renvoyées dans les îles au compte-gouttes. Docteur Wu nous a fait savoir que certains étaient malades, voire dans un état critique. Allez, au boulot. Remettez ces dinosaures sur pied. Ah bah ensuite, du coup... on pourra les réintroduire dans les îles. Et évitez de poser trop de questions. En fait, ne posez aucune question. Vous n'avez pas à savoir ce qu'on me demande, qu'on nous demande. Mais d'accord. Vous l'avez sûrement déjà compris. Ce qui est embête, c'est que le T-Rex va arriver là, quoi. Attends, pourquoi tu tapes encore, là? Bien reçu. Ah, j'avais un bâtiment qui était un peu abîmé, là j'avais pas vu. Demande bien reçue. Intervention imminente. Demande de réapprovisionnement enregistrée. Alors il faut attendre le retour des dinosaures du coup. Bon attendez, on va relancer des expéditions. J'ai quelque chose. Donc je vais avoir les dinosaures qui vont revenir et il va falloir les soigner. Pas grand chose à faire à part attendre là. Je regarde si je pouvais placer ces bâtiments là quelque part. Alors, je pourrais certainement pas placer celui-là parce qu'il est tellement grand. J'aurais pu le mettre là peut-être. Mais tant pis. Peut-être les sciences, il est un peu plus petit.
Non, il n'y a pas vraiment d'endroit où est-ce qu'ils rentrent, ces bâtiments-là. J'ai plus vraiment beaucoup de place non plus. Alors, on a les fossiles qui sont rentrés. On va pouvoir relancer de nouvelles expéditions. On va bientôt voir nos dinosaures qui vont rentrer. C'est un petit peu long du coup l'attente. Allez, on va arriver. Alors, on va transporter. C'est bien si je peux choisir où est-ce que je le mets. Le T-Rex. Demande de récupération bien reçue. Aucun problème. Il va avoir accès à la nourriture et à l'eau. La cible a bien été transportée. Voilà, il y a la rage. Alors, on va transporter. C'est bien si je peux choisir où est-ce que je le mets. Le T-Rex. Demande de récupération bien reçue. Il va avoir accès à la nourriture et à l'eau. Allez, chope un mouton. Ils sont là-bas.
Allez, là, y a pas mal de moutons de ce côté-là. Qu'on puisse passer au suivant. Je te vois. Il va manger et ça ira mieux. Alors, on va ensuite livrer le Ceratosaurus. Lui, on va livrer dans cet enclos là. On va chercher la cible. Il a à manger et il a à boire. La même chose. Ah, lui il est pas malade. Allez, à lui d'aller manger et boire. Ok pour la nourriture. Ensuite, il va nous rester plus qu'à avoir de l'eau pour lui. Et il va me rester mon dernier dinosaure qui va aller ici. La cible doit être évacuée. Lui, il a une maladie par contre. C'est quoi cette maladie qu'il a? Alors, nourriture et eau, ça il va les trouver. Et il va se faire soigner de toute manière. Bien, on va voir l'eau déjà. Aucun dinosaure malade identifié.
Ah, mais ils ont pas assez à manger, eux, hein. Clairement. En fait, j'ai un problème, j'ai pas fait gaffe à ça. Allez, chope le bouton. Non, tu vas manger là, toi? Ouais, ok. Ok, voilà, ils vont tous être soignés. Et voilà, on a terminé la mission de sécurité. Bon, on peut rayer ça de la liste. C'est une bonne chose de faite. Vous avez bien bossé. Comme on vous l'avait demandé. Je viens de lire un rapport très intéressant. Il semblerait que certains dinosaures aient subi des blessures dont les causes ne sont pas naturelles. Vous n'êtes au courant de rien, j'imagine. Alors pour l'instant, non. Très bien, bon, voilà, on a terminé la troisième mission de sécurité. La quatrième mission de sécurité, pardon. Ce qui nous termine Isla Pena. Bah écoutez, la prochaine fois, on va commencer Isla Sorna, la nouvelle île. J'espère en tout cas que cet épisode sur Jurassic World Evolution vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de l'aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.